Hey, salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aller voir King Games Figurines. C'est un magasin de figurines à Portée-sur-Garonne, donc à 10 minutes, un quart d'heure de Toulouse. J'espère vraiment que ça va vous plaire. On va faire une petite vidéo là-bas, on va voir s'ils sont ok et tout et s'il n'y a pas de musique de fond. Voilà, allez, c'est parti. Ces petites boîtes là, elles sont vraiment super sympas. Oh, excellent celui-là. Alors la Cupo Skate comme ça de Stranger Things, je les ai pas encore achetés. Voilà. Putain, par contre celui-là. Excellent. Donc la boutique, elle est vraiment super sympa parce qu'il y a une très grosse diversité. Il y a des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Putain, lui, il est vraiment monstrueux. Donc, Figuard Zero qui fait ça, One Piece, Kaido, d'accord. La tuerie. Je vous mettrai tous les liens dans la description si vraiment ça vous intéresse. Je vais survoler un peu les mangas parce que je m'y connais pas trop. Et c'est magnifique. Bon, ici tout ce qui est Saint Seiya. Une diversité de dingue. Je vais juste vous sortir au moins une boîte pour vous montrer. Hop. Voilà. Les boîtes, elles sont vraiment magnifiques. Et la Black Widow, elle est bluffante. Ça, c'est Diamond qui fait ça, Diamond Select. Mais alors franchement, Diamond là, sur ce coup là, ils ont vraiment géré parce qu'on la reconnaît super bien. Vision du DBZ.
c'est de la tuerie ça. Capsule. Excellent. Bon bah ici c'est vraiment le rayon manga. C'est vraiment super sympa. Diku Posket encore ici. Céline en a tout un paquet. Elles sont vraiment super sympas. Gants de l'infini. Ça c'est très très sympa. Je connaissais pas du tout. Très réaliste. Ok. La Black Widow qu'on a vu en vitrine. Putain, mais il y a vraiment des trucs que j'avais jamais vu. Oh là là, c'est une boîte fenêtre, ouais. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Ça, c'est magnifique. Hein. Et là, ils font pareil avec Thor. Oh, du camp, qu'est-ce que c'est beau. Ouais, mais avec les reflets, vous allez pas forcément bien voir. Il y a un visage supplémentaire ici. Je connaissais pas du tout ça. C'est ces boîtes là, elles sont magnifiques. Deadpool, ouais, très 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 grosse diversité. Excellent. C'est vraiment, mais vraiment génial. Alors là, il y a les Gundam, donc je connais pas bien, j'en ai jamais fait encore. Je vous en montre quelques-uns quand même. Putain, les boîtes, elles sont magnifiques. Elles sont très 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 sympas. Ça aussi je connaissais pas du tout. Pour une fois que je vous montre du Gundam en vidéo. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo elle vous plaît. Ouais, il y en a. Ouais, il y en a des vraiment super sympas. Alors ça c'est des maquettes, hein. C'est à monter, j'ai jamais essayé. J'ai mon pote là, Manga Café, il en avait fait un là, il n'y a pas longtemps. Ça lui avait beaucoup plu. En tout cas il a l'air d'y avoir une certaine qualité. Et ça c'est quoi ça? Bandai qui fait ça? Putain mais elles sont super sympas, c'est des gommes d'âme mais apparemment déjà tout fait. Donc Oh ouais, c'est des Gundam.
mais en figurine. Peut-être ce magasin, c'est un truc de fou parce qu'il y a une très 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 grande diversité. Il y a des choses que j'ai vraiment pas l'habitude de voir ailleurs. Ouais, il y a des trucs vraiment super sympas. Regardez-moi ces boîtes de fous. Oh là là, le Megaman. Ah, il est trop trop beau. Bon bah ici il y a des pop. Alors je vais quand même vous montrer pour ceux que ça intéresse. Hein. Moi vous savez que c'est pas trop mon truc, que je m'y lance pas, mais peut-être qu'il y a des choses qui pourraient vous intéresser. Ouh, il y a quand même des trucs assez sympas en pop. Hein. Voilà, il y a un mur, un rayon, mais il y en a des milliers. Ils sont vraiment forts au Niri Création. Alors celui-là, c'est le NECA Incar Bilbon. Et en fait, il est vraiment pas cher par rapport aux autres figurines Incar qu'ils produisent, NECA. Celui-là, il est vraiment pas cher. Et il est hyper, hyper réaliste. Là aussi, un petit Bilbo que je connaissais pas du tout. Apparemment, c'est un bobblehead. Donc la tête bouge sur celui-là. Il est quand même super bien fait. Du DBZ. C'est mon manga préféré, hein. Celle, les deux versions, quoi. Celle-ci, elle est quand même terrible. Très, très, très sympa. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ouais, ici, il y a des aides de Knuckers. Alors, vous savez que j'en fais quelques-unes. C'est celle-là. Alors, ça, c'est les boîtes. Par contre, les boîtes, je vous ai jamais montré les boîtes aides de Knuckers. On le reconnaît avec le logo juste là, aides de Knuckers. Et en fait, c'est NECA qui produit ça. Et c'est des bubble aides en résine. À très très bon rapport qualité-prix. Voilà, et de Knuckers. Alors normalement, il y a NECA marqué quelque part. Voilà, juste derrière, NECA. Donc c'est vraiment NECA qui fait ça. Par contre, ils en font aussi de Marvel, ouais. Donc il y a Harley Quinn aussi. Voilà. Par contre, les boîtes comme ça, elles claquent. C'est des figurines, ça, je connaissais pas du tout. T'as le Joker, là, pareil, c'est des choses que je connais pas. Figar qui fait ça. Donc c'est Bandai qui fait ça. SH Figart, d'accord. Ok, alors je sais pas trop si c'est une collaboration ou quoi, vous pouvez toujours me dire en commentaire. Je connaissais pas du tout, c'est super bien fait. Bon, cette gamme-là, c'est le coup de cœur. Ici, il y en a d'autres, mais ça, c'est pas des Head Knuckers, c'est notre gamme qui fait ça. Donc, en bobblehead, ah voilà, Royal Bulb. Alors, ça, c'est normalement, c'est pas NECA qui fait ça. Ça, c'est Limited Edition Royal Bulb. Ouais, ouais, non, c'est la marque. Putain, ça, ils ont l'air super réalistes, donc c'est Royal Bumble. Je pense que c'est de la résine aussi, ceux-là. Je suis pas sûr, par contre, pour ça, mais. Et alors là, on les a. Non mais c'est un truc de fou. Là de The Walking Dead, Carol, Rick, Abraham. Putain, magnifique Abraham. Glenn, Negan. Negan. Oh là 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 là. Méchant emblématique. Ah. Et nous voilà. Regardez, je vous en avais parlé. Ah, il est
est bluffant quand même. Très 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 sympa. Non. Oh là là. On la reconnaît de fou. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je connaissais pas aussi. Ouais, il y a vraiment une qualité de dingue, hein. Franchement. Beaucoup, beaucoup de diversité, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les autres boutiques. Regardez ça par exemple, un petit Godzilla comme ça. Ça, c'est génial ça. Bon, je vous mettrai tous les liens dans la description, ça pourrait vraiment, vraiment vous intéresser. Page Facebook, site internet. Ça, ça c'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Godzilla des forums, apparemment. Banpresto, Bandai. Ok. Du Kotobukiya. Ça doit bien déchirer celui-là. En haut, un gros Godzilla. Il n'y a pas énormément en éca en boîte comme ça. Un petit peu, mais pas énormément. Voilà, celui-là, je l'ai. Je vous l'avais dit, c'est de la tuerie. Putain, je ne le trouvais pas en France, j'ai dû le prendre en Allemagne. Mais vous voyez, il est disponible ici par contre. Celui-là, je l'avais déjà montré en vidéo plusieurs fois. Bon, le gros coup de cœur, c'est lui quand même. Ça, c'est de la tuerie. Non, non, la boutique est très sympa. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos plus approfondies sur cette boutique-là. Voilà, là, c'est une petite vidéo test. Hein. Il y a une très, très, très grosse diversité. Petite boutique qui se trouve donc dans la région toulousaine, à Portée-sur-Garonne, pas loin de Carrefour. Il est un petit peu planqué dans une zone commerciale, mais il vaut vraiment le coup. Là, je vous fais une petite vue d'ensemble. Voilà, les rayons pleins. Et bien voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à me le dire en commentaire, mettre un petit like et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao !